Alors Michel Drucker, bonjour. Mais c'est vrai que ça, le canapé fait très Michel Drucker. Oui, le chien. Bonsoir. Vous avez un chien, non? Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Champ contre Champ. Et non, vous n'êtes pas chez Michel Drucker. Ah bon? Non, non, bah, vous lui avez non, piqué son canapé? J'ai piqué son canapé, je n'ai pas piqué son chien et je pense ne pas lui ressembler, ni avoir son talent. Mais si, le talent, oui, vous ne lui ressemblez pas beaucoup, mais vous avez son talent, assurément. Bienvenue à vous dans cette émission Champ contre Champ avec. Vous avez vu comment on est raccord ou pas? Dos contre dos. Oui. Dos à dos. C'est vrai qu'on pourrait. Mais comme ça va jaser, je pense. Je sens que ça va être compliqué de parler du film. Mais allez-y. Montrez-moi vos portables, justement, si vous voulez que ça jase. Ah, on ne les a pas amenés, on n'est pas fous. Oui, on n'est pas fous. Fred Cavaillé, vous venez nous présenter donc, Le Jeu. Avec vous, Stéphane De Groot, un film assez hilarant, avec un casting impressionnant. Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De Groot, Vincent Elbaz, Grégory Guedebois, Doria Tillier et Roche Dizem. Je vais vous laisser le pitcher, Le Jeu, finalement. Qu'on comprenne bien pourquoi je vous ai demandé vos portables juste avant. Ben oui, il disait que c'est. Ben écoutez, le pitch est dans le titre. Hein. C'est des gens, ça s'appelle Le Jeu, et c'est des gens qui vont décider de jouer un jeu un peu idiot, c'est-à-dire lors d'un dîner, ils vont tous poser leur portable au milieu de la table, et tout ce qui arrive comme SMS, réseaux sociaux, Facebook, messages, mails, tout doit appartenir à la communauté pendant le temps du dîner. Donc quand je dis que c'est un jeu idiot, ça l'est vraiment parce que ça va partir en, comment on dit, en cacahuètes. Ça va partir en cacahuètes. Ça dépend ce qu'on veut à l'apéro, au bout, c'est en sucette, cacahuètes. Voilà. Effectivement. Et vous pensez, vous, Stéphane De Groot, qu'il faut tout pouvoir se dire en amitié ou mais en amour? Jamais de la vie, ça va pas bien ou quoi? Mais si vous reprenez les choses 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, vous savez, on avait des carnets intimes à l'époque. Ouais. Imaginez, qui aurait eu l'idée saugrenue lors d'un dîner de demander à tous les amis qui sont là en disant « Ressortez vos carnets intimes, on va les mettre au milieu de la table, on va les ouvrir, on va les lire à haute voix. » Ça nous paraît évident que c'est insensé de le faire. Effectivement. Ben, le téléphone, c'est pareil. Donc non, il faut jamais tout se dire, il faut laisser du mystère. Il faut creuser, il faut chercher, il faut. Dans les tableaux des grands maîtres, il y a un mystère qu'on devine, qu'on recherche, dans les romans, dans les films. Donc il faut laisser tout ça en friche. Le mystère n'est pas toujours agréable à découvrir. Le mystère. Oui. Ça dépend du mystère. Et puis la vérité n'est pas forcément la vérité. Voilà. Il y a des mensonges qui sont bien plus vraisemblables que certaines vérités. Et puis ça dépend aussi de la manière dont on dit la vérité. C'est aussi une manière de la travestir dans la manière dont on le dit. Donc c'est quoi la vérité? Autant pour se protéger, autant ne rien montrer, oui. Laissons deviner les choses. Le portable, c'est quand même devenu la boîte noire du couple. Hein. Pourquoi tu dis ça? Je dis ça par rapport à l'histoire de Ben. Vous imaginez le nombre de divorces si chacun fouillait dans le portable de l'autre? Vous partez du postulat qu'on a tous quelque chose à cacher. On a plus ou moins. Les gens totalement authentiques, tout ça, qui n'auraient rien à cacher, ça n'existe pas. Pas forcément à cacher des choses qui seraient du marivaudage ou des choses comme ça. Mais il y a des choses, par exemple, dans mon portable, que je n'ai pas sur moi, hein, c'est pour ça que je ne vais pas vous le montrer, que je ne veux pas montrer à d'autres, des choses intimes, même si ce n'est pas des choses de tromperie et ainsi de suite. Entre voir et regarder, il y a une différence quand même. Pardon ? Entre voir et regarder, il y a une différence. Regardez, c'est un peu plus proactif. Oui. Tandis qu'on voit, je vous vois. Mais si je vous regarde, je suis un peu plus attentif. Donc, c'est une petite nuance, mais qui est importante. Mais c'est le divan d'Henri Chapier, en vérité. C'est pas du tout, c'est pas du tout le fauteuil de Michel Drucker. Un petit peu le niveau. Donc, je suis impressionné. J'ai répété avant. Je me dis, mince, il parle pas de mon film. Il est vrai que le film est c'est une comédie, on rit beaucoup, mais elle soulève des questions extrêmement pertinentes et intéressantes. Vous parlez de voyeurisme, et moi je me suis sentie un peu justement dans le voyeurisme dans ce film, parce que la mise en scène est extrêmement immersive. On a le sentiment d'être. Enfin, c'est un huis clos, hein, j'ai oublié de le préciser, on le verra dans les images, c'est un huis clos. Vous êtes sept autour de la table, ouais, et nous, on a le sentiment d'être. C'est un sept clos. Elle est bien. Je vais te la piquer. Elle est bien, non. Oui. Elle est déposée. Pour toutes les interviews suivantes. Et donc, on a le sentiment d'être vraiment autour de la table avec vous. On se sent un peu voyeur. Ouais, bah c'est exactement ça en mise en scène. C'est-à-dire qu'il fallait que ça soit immersif et qu'on ait vraiment l'impression d'assister à un vrai dîner. Ouais. Et encore plus que ça, avoir envie d'être avec eux assis autour de la ou table. Pas. Au début du film. À la fin, on a beaucoup moins envie. Et d'ailleurs, on rit parce qu'on n'est pas du tout assis sur cette table et on rit des textos qu'ils reçoivent parce qu'on est bien content que ça ne tombe pas sur notre portable à nous. Et puis, ça va crescendo, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, ça part en cacahuète. Avec cette question aussi sous-jacente, c'est finalement, est-ce qu'on est vraiment des amis pour la vie ou est-ce que l'amitié comme l'amour aussi, parfois, ce n'est pas juste une habitude?
Ouais. Voilà, c'est, ouais, c'est un peu ça. Et puis l'érosion du temps qui passe, même en amitié. Si on a des amis d'enfance, ça fait 35 ans qu'on les connaît. Est-ce que l'amitié est toujours aussi forte? Est-ce que c'est pas de l'amitié par habitude? Oui, c'est ça. Après, c'est une comédie, on l'a dit, hein, mais c'est toujours intéressant dans les films où on rit qu'il y a un sous-texte qui nous rapproche de nous-mêmes et nous fait réfléchir sur des choses. Et puis, ou alors ça renforce l'amitié. C'est-à-dire qu'à l'issue de certains événements comme cela, on découvre les gens, oui, parce que les amis, on les découvre aussi dans des épreuves, dans des événements particuliers. Donc ça renforce aussi peut-être certaines choses. Il y a un personnage, justement, on ne va pas le dévoiler évidemment, mais qui effectivement abonde dans le sens que vous venez de dire là. Mais moi, je ne veux pas savoir ce qu'il y a dans son portable. Hein. Ça ne m'intéresse pas, moi. Ah, ça ne t'intéresse pas? Non, ça ne m'intéresse pas. Non. Mais en revanche, si tu veux voir le mien, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des photos de faux seins et de gros culs hyposucés. Oui, dis donc. C'est juste professionnel. Montre. Non, secret médical. Stéphane Gros, donc, connaît votre amour pour le mot juste, pour la réplique, le tac au tac, etc. Ici, c'était un peu un film taillé pour vous dans ça aussi. Oui et non. Oui et non, oui, parce que quand Fred, on va l'appeler Fred parce qu'en réalité il s'appelle Frédéric ou Frédéric. Il n'y a que ma mère, quand elle m'engueule, qui m'appelle Frédéric, donc ça serait bien qu'on continue à m'appeler Fred. Quand Monsieur Cavaillé m'a proposé le rôle, j'étais un peu désappointé dans la mesure où c'est le rôle qui est le plus discret, qui est en observation, oui, qui regarde un peu ce qui se passe autour de lui. Et alors que, effectivement, moi je suis plutôt volubile, j'aime bien parler, j'aime bien communiquer, j'occupe un peu l'espace. Et du coup, c'était effectivement un rôle à contre-emploi que celui que Fred me proposait. Oui. J'ai pas pris la mesure tout de suite de la valeur de ce rôle-là en particulier. J'avais pris conscience tout de suite que c'était un super projet et que j'avais envie d'en être. Mais ce rôle-là, je l'ai compris d'abord en le faisant, mais surtout en voyant le film après. Parce qu'il avait cette vision-là déjà du film en amont, bien en amont, parce que c'est un travail de fou, on ne se rend pas compte, mais il ne suffit pas d'être autour d'une table assis pour penser que c'est facile. C'est, au contraire, c'est très difficile compliqué à filmer pour rendre ça un peu vivant, et pour pas que ça soit une pièce de théâtre, et puis pour nourrir le propos. Donc c'est très difficile, on ne se rend pas compte. Et donc moi, ce n'est qu'en voyant le film que j'ai vraiment compris ce qu'il avait voulu faire, et j'étais totalement bluffé et épaté. Pourquoi je dis bluffé? Parce que lors des premières projections, nous, acteurs, on se regarde. On regarde que nous. C'est un réflexe qu'on a. Normal. Et là, pour la première fois, j'ai vu le film. J'étais tout de suite cueilli par l'histoire, par le propos, par le sujet central qui est ce téléphone, et par les personnages qui gravitaient autour de cette table. Je me suis pas vu. J'ai pas vu les acteurs, les personnalités. J'ai vu les personnages. Donc c'est là où je me suis dit, il a vachement bien réussi son coup. Vous êtes le personnage dont on se méfie peut-être au début et qui devient au fur et à mesure du film bienveillant, avec une conclusion voilà, que je ne vais pas dévoiler évidemment. Et alors on ça, comprend, ça, 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 ce point-là, c'est pas un rôle de composition. Je suis extrêmement bienveillant. C'est vrai. Et on se méfie pas de toi, et là c'est un rôle de composition. Voilà. Avec, donc, on l'a dit, hein, comme j'ai envie de dire personnage central, le téléphone. Le téléphone, même ça fait un peu vintage de dire téléphone aujourd'hui. En tout cas, ça renforce le propos universel de ce film. C'est qu'effectivement, on a tous sur nous cet objet. Oui. Voilà. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre. Si vous faites un film sur la voiture, tout le monde ne possède pas de voiture. Je ne sais pas s'il y a un autre objet que tout le monde possède. Un nez. Certains d'ailleurs plus que d'autres, je me mets dans, voilà, dans le plus que d'autres. Non. Si, non. Attendez, non. Sujet. Non, non. C'est moi qui gagne à ce jeu-là. Vous gagnez, mais je me défends pas mal. Oui, le nom, je vous nom. Mais je ne comprends pas. Pardon, on fait une petite digression. Bonsoir à tous. les femmes qui ont un nez différent. Oui. C'est les femmes qui veulent le supprimer. Je trouve non, que je ça ne veux porte pas le supprimer. Un chien et un. J'ai du chien et je ne veux pas supprimer mon nez. Je vous moi, personnellement, j'ai un chien, mais j'ai un. Mais tu pourrais le supprimer. Ah oui, mais je l'aime beaucoup. Ça pourrais changer ton chien contre un nez. Ça serait. Oui. Si on revenait peut-être au film. Et il y a des chenets, il y a des chenils, ça c'est pour les chiens. Il y a les chenets, c'est les ouais, on ouais, élève ouais, des ouais, nez. Ouais. Et donc nous parlions de. Les nez des fers chauds. De nez ou. Les nez des fers chauds. Mais oui. Je ne sais plus où on en est. On était là-bas. Quelqu'un peut mais on revient. Comment allez-vous? Voilà. On parlait de vos narines. Non, ça, s'il vous plaît. On a parlé sur l'emprise psychologique du téléphone. On a parlé de Bakri, on a parlé de yaourt. On a parlé du tissu, au coton. Film. J'avais les gars de la narine, mais facile. Oui, pas mal. Tu fais vraiment le marin. Je ne sais plus. Sortie en salle en Belgique, par contre, vous savez déjà, vous? Oui. La date de sortie? Et je crois que c'est le 17 octobre, à moins qu'on m'ait mal informé. D'accord. Mais en tous les cas, ça va sortir. Enfin, je l'espère. Oui, ça va sortir. Ça va sortir. Steve Jobs. C'est mien! C'est mien!
Jobs. Ah, ça va, c'est le boulot. Les réactions jusqu'à présent sont hyper bonnes. Oui, elles sont... Vous elles êtes sont... quand même un peu stressée, je trouve, avec ce film. En arrivant, vous me disiez... Vous m'avez trouvé stressé. Oui, si, ah. C'est, oui, on est en attente de voir comment ça se passe. Jusqu'à présent, les retours sont bons. Alors, vous ne l'avez jamais vu stressé. Non, c'est vrai. Écoutez, non, c'est parce que... non, je venais de prendre un café, donc j'étais peut-être un peu... Donc, non, vous êtes tout à fait allé sur la patience au scène. Non, mais si, bien sûr, j'ai le trac, mais un stress sain, je dirais. Quand vous faites un film, vous espérez qu'il soit le mieux reçu par tout le monde. Donc, ça serait... être déjà très prétentieux d'être totalement détendu par rapport à la sortie de son film. Après, c'est vrai que pour l'instant, les avant-premières se passent très bien parce ouais. que ouais, c'est cool. Mes films précédents, les gens me parlaient du film. Et là, les gens ne me parlent pas du film, ils me parlent d'eux. Et ça veut dire que c'est sans doute mon film qui parle le plus au public, parce que le public arrive à s'identifier. Et, tout à fait. Et on choisit, je pense, un des personnages et il y a forcément un des sept qui de nous qui on est très proche. Ouais. Ouais. Ok. Je suis certaine que ça va donner envie à pas mal de groupes d'amis de tenter l'aventure. Alors, quand on présente le film au début de la projection, la majorité pense comme ça, en disant, tiens, ils anticipent déjà sur ce qu'ils vont voir, en disant, ouais. Nous, on va aussi jouer à ça. Quand on vient à la fin du film et qu'on reparle de ça, il y a un peu moins d'enthousiasme. Il y a des gens qui jettent leur portable en disant qu'ils n'ont jamais eu de portable. Du coup, on a une équipe qui récupère les portables et là, on a une collection invraisemblable. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, voilà, en amour, en amitié, faut-il tout savoir de l'autre ? Qui sont vraiment ses vrais amis ? Le film ne répond pas à la question, en tout cas, suscite la réflexion. Merci pour cette très belle comédie. Merci d'être venu un plaisir. Ce soir. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.